Alors bonjour, nous voici à la clinique romande de réadaptation, qui est également le centre de médecine du sport, centre suisse olympique. On va aujourd'hui faire un entraînement de sprint répété en chambre hypoxique, une pièce un petit peu particulière qui nous permet de simuler l'altitude. Dans notre cas, ce sera 3000 mètres. Et puis on va effectuer des efforts qui sont très courts et intenses dans le but d'avoir un effet d'entraînement qui est intéressant pour les joueurs de hockey. Puisque en sprintant à de nombreuses reprises dans des conditions qui sont rendues extrêmement difficiles par le manque d'oxygène, on va réussir avec peu de temps à produire une réponse en donnant aux joueurs la capacité de répéter des sprints de manière beaucoup plus performante, ce qui va probablement les rendre, ou ce qui devrait les rendre décisifs en fin de match, lorsque tous les autres joueurs sont fatigués. Ils auront cette capacité justement, via cet entraînement, d'adapter leurs muscles pour passer l'épaule, pour faire le sprint en plus, le geste décisif, alors que la fatigue s'installe chez l'adversaire. Vraiment, c'est assez impressionnant le résultat qu'on peut aller chercher sur ce... dans cette salle, je pense. C'est vraiment intéressant pour nous. C'est quelque chose qu'on recherche, je pense, sur la glace. Aller haut dans les pulses et puis pouvoir aller toujours plus loin. Vraiment content d'avoir pu faire partie de ce petit projet.